Bien, donc on va démarrer. Alors Jean-Paul Despartes est intervenu ce matin, travaille également au centre de CARPAP. CARPAP, bon ben on est à Lanester, on n'est pas très très loin, hein, donc c'est 400 patients adultes et enfants par jour, avec un budget à peu près de 37 millions d'euros. 580 équivalents temps plein y travaillent, avec 70 métiers. Alors pourquoi on cite les métiers? C'est pour bien insister sur la question de la pluridisciplinarité et l'importance de toutes ces ressources de métiers de soignants, d'ingénieurs, de travailleurs sociaux, d'ergonomes, d'animateurs, de formateurs, au service donc des personnes hospitalisées à CARPAP. Voilà. Donc l'établissement, comme beaucoup de centres de rééducation, hein, des services d'hébergement, un plateau de soins, hein, avec des médecins, des infirmières, des aides-soignants, également un plateau technique. La spécificité de CARPAP, comme ce matin avec le laboratoire biomédical, c'est également d'avoir un service dédié à l'accompagnement vers l'insertion sociale et professionnelle. Donc le service d'insertion de CARPAP a été créé dans les années, si je ne me trompe, 70-80, donc avec cette idée toute simple, hein, de se dire à quoi ça sert de rééduquer les personnes suite à un accident ou une maladie, si après la rééducation, il n'y a pas une possibilité de reprendre une vie, entre guillemets, comme celle la plus proche possible d'avant, avec un retour à domicile et également une insertion professionnelle ou sociale. Diapo suivante. Voilà, donc l'établissement dans ce cadre-là, hein, il y a beaucoup d'établissements du Grand Ouest qui étaient très positionnés sur cette philosophie-là de rééducation, réadaptation, réinsertion. Et ça a fait l'objet en 92 de la création d'une association qui s'appelle Comet France, qui aujourd'hui regroupe plus de 40 établissements de rééducation sur le territoire national. Je vous invite à aller sur leur site, hein, si ça vous intéresse, avec ce concept de démarche précoce d'insertion en phase active de soins, qui a fait l'objet donc d'un guide des bonnes pratiques labellisé par la Haute Autorité de Santé et qui recommande un certain nombre d'organisations de travail et d'intégration d'équipes dédiées à l'accompagnement des patients sur leur projet de retour à domicile et de retour à l'emploi. Le service d'insertion, c'est pas l'objet d'aujourd'hui, mais porte 5 programmes, dont ce programme Comet France, mais également un programme autour de l'évaluation des capacités à conduire des véhicules avec ou sans aménagement, donc une auto-école intégrée, avec des moniteurs auto-école, des ergothérapeutes et des médecins, donc qui évaluent les capacités à reprendre la conduite automobile. Et donc le programme de l'espace de mobilisation professionnelle précoce qui fait qu'on est là aujourd'hui. Bon. Donc M. Talgouen, donc, qui vit dans les Côtes d'Armor, a eu un accident de vie privée, donc en dehors, enfin c'était pas un accident de travail. Et donc il est venu en soins à CARPAP avec une motivation dès le départ sur une reprise de son travail. Donc on l'a rencontré très rapidement dès son premier séjour à CARPAP, avec une demande de sa part, nous disant, voilà, moi je suis agriculteur, je suis paraplégique, d'accord, mais je suis en GAEC avec mon fils, j'ai un certain nombre de compétences, de savoir-faire, et je souhaiterais poursuivre mon activité, ne serait-ce que pour transmettre tout ce savoir-faire à sa famille. Donc on a déplacé chez lui un chargé d'insertion professionnelle qui a réalisé une observation de sa situation de travail, donc qui a regardé avec lui tous ses déplacements, toutes les tâches et activités réalisées quand il travaille. Et donc on a recherché avec lui des solutions techniques
pour techniques organisationnelles, financières, pour lui permettre de reprendre son activité. Là, il y a Marie-Christine Gilgars, donc, qui est chargée d'insertion à CARPAP avec M. Talgouen. Voilà, donc là, c'est un travail en réseau aussi, en partenariat avec des équipementiers. Quand on ne trouve pas les solutions dans le commerce, eh bien, on va travailler avec les ressources de CARPAP, mais également des industriels pour rechercher la bonne solution, pour arriver donc à un aménagement de sa situation de travail. Donc là, en l'occurrence, c'était aménager son tracteur pour qu'il puisse réaliser ses activités. Alors, oui, je vais parler à la place de M. Talgouen. Hein, ce qu'il dit dans le film, c'est que, évidemment, quand il est en situation de travail, il se sent comme avant. Ces mots. Voilà. Il y a eu un aménagement pour l'entrée sur le tracteur, mais également donc, pour le conduire avec un certain nombre d'aménagements au niveau de la conduite du tracteur. Voilà, alors là, c'est une situation sur... personne donc qui est paraplégique. Il y a différents types d'aménagements, évidemment des aménagements avec des adaptations des postes de travail, et ça peut être aussi des aménagements sur l'organisation de travail et des accompagnements dans le cadre de reclassement interne. MPP, hein, résumer un peu mon propos, c'est toujours dans cette logique d'anticipation, de précocité, et d'initier pendant le séjour à CARPAP, quand la personne est d'accord, des parcours de formation pour préparer son retour au travail ou son intégration hein, dans une activité associative, sportive, culturelle, qui nécessite des compétences de ce type. Voilà, alors une spécificité du service, c'est de suivre les gens jusqu'à un an après la sortie. Donc les personnes qui rentrent à l'UMPP pendant le séjour poursuivent, quand c'est nécessaire, après la sortie de l'établissement. Voilà, et on a ouvert aux personnes qui ne sont pas hospitalisées à CARPAP, mais suivies par les opérateurs d'insertion, que sont Cap Emploi, ou des institutionnels comme le service social, des attentes sociales de la CARSAT, qui peuvent nous adresser des personnes pour suivre un module de formation, parce que tout simplement elles ne peuvent pas, soit parce qu'elles sont en arrêt maladie, soit parce qu'il y a des problèmes de fatigabilité ou d'aménagement de la situation de formation, des personnes qui viennent donc à l'UMPP, mais accompagnées par ces opérateurs externes. Je passe la parole à David pour rentrer un petit peu plus dans l'accompagnement et la technicité. Et que l'UMPP n'est pas un organisme de formation. C'est un espace public numérique, c'est une plateforme de formation ouverte dans la particularité et d'être ouverte dans un centre de rééducation au service du projet professionnel du patient. C'est un moyen, le MPP, de pouvoir s'évaluer, de pouvoir se former et d'accéder à de l'information pendant son parcours de soins sur le centre de CARPAP et en tous les cas le plus précocement possible, avec toujours en toile de fond cette idée de pouvoir travailler son projet de retour à l'emploi. Alors voilà les moyens dont on dispose. Le MPP, c'est deux salles de travail, équipées évidemment de postes informatiques, hein, connectées à Internet, et avec tous les moyens nécessaires pour mettre en relation la personne qui va être inscrite donc sur un programme de formation à distance, en lien avec son formateur référent, par l'intermédiaire de tutorat synchrone, donc avec des équipements de vidéoconférence et des outils en fait de partage d'écran. Pour terminer, en fait, on voulait donc vous présenter un petit peu trois parcours types, quelques situations comme ça qui peuvent concerner les patients que l'on accueille. Donc la première est celle d'un jeune homme de 24 ans hein, qui est arrivé à CARPAP dans les suites d'un accident de vie privée, qui est arrivé en traumatologie hein, chez nous, qui était donc menuisier dans une entreprise qui fabriquait et qui posait des ouvertures en PVC en aluminium
Il a été donc pris en charge dans un premier temps par un conseiller en réadaptation professionnelle du SRISP, hein, avant donc d'être orienté vers le MPP. Son objectif à ce monsieur était de se reconvertir en fait comme technicien en bureau d'études. Et donc ce qu'on lui a proposé, c'est la mise en place pour lui d'un parcours de formation à distance sur le logiciel AutoCAD en lien avec le Greta des Côtes d'Armor. L'idée était de le préparer en fait à son entrée en formation sur une formation qualifiante, diplômante. Et après donc accord de la MDA pour l'obtention de sa reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, il a pris contact avec le Centre AFPA de Lorient pour être recruté hein, sur la formation de technicien bureau d'études avant d'obtenir donc son congé individuel de formation et qui lui a effectivement permis d'intégrer cette formation sur l'AFPA de Lorient. Voilà, ça c'est une première situation où effectivement on est dans la préparation d'une entrée en formation à la sortie de l'établissement, une préparation sur une entrée en formation professionnelle. Donc la deuxième situation concerne également un jeune homme de 24 ans qui lui est arrivé en hospitalisation en neurologie sur le centre de Carpap après malheureusement avoir fait un AVC, hein, un accident vasculaire cérébral. C'est un jeune homme qui était ingénieur dans un grand groupe d'agroalimentaire et qui a été pris en charge par le service pour lui proposer de maintenir en fait son niveau de connaissance. L'objectif était là de l'accompagner sur son temps d'hospitalisation vers une discussion ultérieure avec l'entreprise et le médecin du travail pour une reprise d'un poste dans l'entreprise. Donc on a accompagné ce jeune homme sur une formation à distance en conception assistée par ordinateur qu'il a autofinancé là pour le coup et en lien avec le CNED puisqu'on n'avait pas nous de financement possible pour le coût pédagogique là, de cette formation. Et il a pu effectivement pouvoir comme ça maintenir une dynamique sur son temps d'hospitalisation et aujourd'hui, il a donc, il est entré sur un stage sous IGI, hein, c'est-à-dire qu'il est toujours en arrêt maladie, mais dans son entreprise, il a repris une activité et qui doit lui permettre donc à terme de pouvoir retrouver un poste adapté et accompagné avec le médecin du travail. IGI, ça veut dire ? Indemnité journalière de la sécurité sociale, pardon. Et la dernière situation concerne donc un jeune homme de 25 ans qui, lui, est arrivé à Carpap hospitalisé après un accident de la voie publique. Ce jeune homme était titulaire d'un bac STI, mais avait connu un échec lors du passage sur un BTS en transport, logistique, et avait donc fait le choix d'aller travailler. Il était intérimaire dans l'agroalimentaire. Il a été pris en charge par un conseiller en réadaptation professionnelle, orienté vers l'espace de mobilisation professionnelle précoce. Et son objectif était double. Il avait pour premier objectif de pouvoir repasser son BTS en candidat libre. Mais comme il avait connu un premier échec, il travaillait en parallèle un deuxième projet qui était d'entrer sur le bac pro technicien du bâti au Greta de Saint-Brieuc. On l'a donc accompagné par la mise en place d'un module de bureautique, parce qu'il lui manquait un peu cette compétence, et aussi en mettant en place une formation à distance en lien avec le Centre AFPA de Lorient de préparation au métier du bâtiment. Au mois de juin 2012, il passe son BTS transport en candidat libre et l'obtient. Il revoit un petit peu son projet, il renonce au projet de technicien du bâti sur le Greta des Côtes d'Armor pour plutôt envisager d'entrer sur une formation au métier du transport, passer son permis de conduire en fait, hein, de chauffeur poids lourd. L'objectif là était pour lui de pouvoir être le plus polyvalent possible afin d'être positionné correctement sur le marché de l'emploi et pouvoir répondre à des offres dans ce secteur d'activité. Et donc, il a réussi à l'automne dernier les tests d'entrée à ECF, hein, qui est un centre de formation professionnelle de la conduite poids lourd, et a réussi les tests d'entrée, a obtenu un financement du Conseil régional de Bretagne pour le coût pédagogique, mais aussi pour sa rémunération. Et il est entré dernièrement, donc au mois de février, sur cette formation, a obtenu son titre
professionnels de conducteurs routiers de marchandises en avril 2013. Et j'ai eu des nouvelles de lui assez récemment pour me dire qu'il était intégré sur la formation qui fait suite à ce premier titre sur la formation de conducteur de super poids lourds. Voilà.